People of God, the devil has come in order to kill, steal, and destroy. But the Son of Man, Jesus Christ, has come so that we should have life in its fullness. A man becomes a prey to the devil when he rejects Jesus Christ by involving himself into sin. Here at Kingship International Ministries prayer line, the man of God, Prophet Frank, encountered this woman, Madame Prophecy, who was possessed by a demonic spirit. After a moment of confrontation, the demonic spirit confessed how they had been assigned to cause destruction in their family. The demon equally confessed how they had organized a frame-up theft story just to implicate Mrs. Prophecy's eldest son earlier that same Sunday. They are the ones who confused the mind of the people to beat up this innocent boy, thinking that he was a thief. Viewers all over the world, let's listen to the confession. Glory, what I just mean, but Almighty Jesus, I'm not going to which is glory
in the light of God's people. You can see them in their severe, desperate situation. They are in pain and agony. Are you seeing the one? Look at the sun. Which woman's sun? Oh, that's how you speak, people of God. Call them back. And God is the one who left their son. He's over here. Qu'est-ce que tu as fait?
Jesus is ahead of us. The other one will swap one thing amongst you. But so say Zami. Yes, Zami is a relationship. And he is a cop. She comes and they come to you. He is a superstar. You want to push me into superstar. Say, you got to talk to me. Donc c'est du temps qu'il y a au pied avec le cas si aujourd'hui on tape comme ça. Tu voulais pas mettre quoi? Hein? Que la grâce est à vous épouser. Donc tu allais prendre le pouvoir pour le vécu. Toutes les puissances là je ne suis pas le Dieu. N'importe où tu allais prendre les puissances, on peut là-bas. Tous les familles, prophétiez!
Le feu, peu de feu, mais le feu là, il ne va pas. On va mettre le feu là-bas.
Okay, see,
They just come on the guy, beat him mercilessly. Okay, let's see what is happening. Sava, please, bring them in the box of rice. Bring them. And then you'll give them the money to take care of the boy. I want to assist her. You have to assist the 20,000. Okay, bring it. 250,000. Come. Yes. Come. Ça va. The second eye is you have to support 5,000. Okay. 20,000. 20,000. Je m'appelle prophesy Elisabeth. Elle s'appelle prophesy Denise, la grande sœur. Le concerné, prophesy Saïd. Son grand frère, prophesy Amisel Selim. Les autres sont occupés, ils ont travaillé. Chers frères et sœurs, le 24, je viens souvent à la messe vers 9h-10h. À ma grande surprise, à 7h30,
j'étais déjà en cours de route. À 8h25, j'étais déjà à l'église, puisque j'avais le témoignage plutôt pour les petits-fils. Je reste, le prophète arrive en pleine prophétie, le téléphone, comme je mets toujours sur le bruit devant moi, je vois le téléphone qui vibre. Brusque deux, trois fois, je suis sorti. Comme je n'avais pas de crédit, avant que je n'arrive au seuil de la porte, ça a encore sonné. Tu es où? Tu es où? Plutôt les femmes qui sont au marché à Mambana. On est en train de tuer l'enfant. L'enfant est en train de crier, amenez-moi au commissariat. Je ne sais pas, amenez-moi au commissariat. On tirait l'enfant plutôt vers l'issue de Mambada au fer fond. C'est là où deuxième personne m'appelle. Subitement, son grand frère m'appelle, qui est aussi empêché l'aîné. Il me dit, maman, tu es où? Voilà Saïd qui meurt. J'étais devenu folle dans la salle. Je me dirige là derrière, chez les hommes de Dieu. On me dit, maman, tu es à la présence de Dieu. Prends ton temps, tu pries, c'est ici que ça va réagir. Finalement, je me suis retrouvé dehors dans le taxi. Ce taxi qui m'a pris, dans le taxi, je priais comme une folle. Il me pose la question, maman, il y a quoi? J'ai dit, ça ne va pas. On venait ensemble à l'église avec l'enfant. À ma grande surprise, on m'appelle qu'on est en train de bastonner sur l'enfant. C'est vers où? Pendant qu'il me demande c'est vers où, le téléphone sonne. Maman vient nous trouver plutôt à l'hôpital. On lui est sauvé, ses amis et moi, son grand frère. J'arrive à l'hôpital. On ne m'a même pas permis de regarder l'enfant, dont je savais qu'il est mort. On m'a bloqué dans le taxi. C'est comme je priais. Subitement, l'autre est venu me dire, maman, viens, va, on les sauver. La façon dont les gars qui ont sauvé l'enfant étaient moyens de sang, moyens de sang, la boue partout. Son grand frère, alors, il a pleuré, il s'est dit, non, fais quoi, l'enfant est mort. Par la grâce de Dieu, à peu près 45 minutes, je viens, on fait sortir l'enfant de la salle. L'enfant entre dans le taxi. Ses amis qui me demandent, maman, tu la mets où? À la maison. Il fallait qu'il soit hospitalisé. Il faut le sang, il faut la perfusion. J'ai dit non. Donc Dieu va les guérir. À l'heure actuelle, je me retourne encore là où je sortais, dans notre ministère Kinship. J'ai dit bon, allez entrer, le taxi est dit non, pas aller. Personne n'est entré. Je suis arrivé ici. Par la grâce de Dieu, je ne savais pas que l'enfant allait vivre. On a porté l'enfant dans le taxi, mettre la ici dedans, la prière, prier. Dès qu'on a prié sur l'enfant, je ne sais quoi, c'est maintenant que je vois ce qui se passait, je ne sais pas comment se passait la délivrance. L'enfant a été vraiment sauvé en un clin d'œil, je ne sais pas. L'homme de Dieu qui est docteur dans notre salle a pris charge de l'enfant, nettoyer l'enfant jusqu'à... Avant qu'on ne naille, je ne savais pas qu'on ne connaissait plus que l'enfant avait la boue, le sang partout sur lui. Frères et sœurs en Christ, je vous remercie beaucoup. Ce qui se passait ici dans la soirée du 24, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je me retrouvais plutôt lundi matin, je regarde l'enfant. L'enfant est là, la tête pourrie, montée, descend, je ne sais pas. J'ai appelé la ligne de prière. On prie, à peu près 30 minutes. L'enfant qu'on a arrêté la main pour aller dehors faire pipi, l'enfant se lève, je me croise au seuil de la porte. Avec lui, il partait déjà faire ses urines, lui seul. Donc, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé dans la salle, je ne sais pas. Je me suis trouvé avec deux grosses enveloppes, avec des centaines de mille. Les riz que j'ai donné juste à ça, arrivé même à Bouddha. Donc, j'ai donné un peu, que c'est la nourriture de Dieu. Frères et sœurs en Christ, l'homme de Dieu, notre frère qui est ici, a pris charge de l'enfant. Traiter l'enfant comme je ne sais pas. Traiter l'enfant comme je ne sais pas. Lundi, le 31, le 1er, vers 19h30, je vois là où je lui ai laissé à Forêt Bâche mon neveu. Il m'appelle, il dit, maman, on a arrêté son grand frère disant qu'il faut qu'on amène l'enfant pour voir l'enquête. J'ai dit, l'enquête, c'est encore quoi? J'ai fait le certificat médical, tout,
pour aller laisser à la brigade. Maintenant, c'est plutôt l'enfant qu'on va enquêter sans problème. On amène l'enfant, on a fait l'enquête. L'enfant ne revient plus. L'enfant a passé à la cellule. Le premier, le deux, le trois. J'ai appelé la ligne de prière. Subitement, j'arrive à la brigade. Même la nourriture, on n'acceptait pas que je donne la nourriture à l'enfant. L'eau, rien. J'ai dit, mais on va voir ça aujourd'hui. Si je suis serviteur de Dieu ou je ne le suis pas, j'ai pris une bouteille de tanguy, mettre dans le sang de nourriture. Je viens, j'entre sans audience. C'est quoi la mère? Tu ne vois pas l'air? Sa soeur, grande soeur est passée le matin lui donner à manger. Il est venu ici manger. Il ne doit pas manger comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? La bouteille d'eau qui était dans le nylon de plastique de nourriture. J'ai fait semblant comme je fouillais la nourriture. J'ai ouvert la bouteille. J'ai été avec le pied. L'eau bénie est versée dans la salle. La mère, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je l'ai la bouteille, c'est versé au seuil de la porte. Il est venu traverser, entrer. Celle qui était au secrétariat, elle dit, maman, voilà la serpillère. Qu'est-ce qui t'arrive, même au juste? Elle me montre la serpillère. Je vois le balai à distance. Je n'ai pas pris le balai. Je vais jeter. Donc, je n'ai pas pris l'eau partout. Ici, eux tous ont traversé mon eau. Je me sors, je paye deux beignets. Je reste là au bout du banc, je mange. Pour que je lave les beignets n'avaient pas la saleté. Je suis sorti, resté au seuil. Laver mes cinq doigts avec ce eau bénie. Que toute personne qui doit traverser ici, surtout toi le commandant, libère cet enfant au nom puissant de Papa Seigneur Jésus-Christ. Une fille vient maintenant. Elle était de passage, je ne sais pas. Elle a pris les 5 litres d'eau bénie. De entrer, elle-même donnée à l'enfant. Pendant qu'ils étaient encore dehors pour passer les commentaires, j'ai dit, alléluia, si ce bidon d'eau est déjà entré, l'autocollant est sur l'enfant. Sa tête ne peut pas se pourrir au nom puissant du Papa Seigneur Jésus. Mon oncle qui était avocat s'est déjà présenté, je ne sais pas. Il dit, maman, si tu as 5 ans, apporte. Pourvu qu'on sauve la vie de l'enfant. J'ai pris l'argent, 30 000. Sa soeur a apporté 20 000. J'ai pris cet argent emballé dans l'autocollant. Au moment où l'enfant allait l'argent était dans l'autocollant. J'ai dit, arrivez devant eux, tu écartes, tu les donnes. Ne retire pas hors sans arrêter. Amen. Tu as peur, remets-moi, je m'en vais. L'enfant a pris l'argent. 10 000 est collé sur l'autocollant. Elle a donné, bon, enlevé. Elle m'a enlevé, lui remettre l'autocollant. J'ai dit, amen. Dieu ne fait pas la peu près dans ma vie. J'ai tellement souffert que j'ai connu que Dieu est vivant réellement, dit, en l'an 2010, quand Kish a commencé à entrer ma tango. Clap for Jesus Christ. L'important, c'est que vous vous êtes présenté sur l'autel de Dieu et lui dit merci ce qu'il a fait pour ton enfant, pour ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Clap for Jesus Christ. On va continuer à prier ensemble. Et comme le Seigneur a délivré la famille, vraiment la famille va avancer au nom de Jésus-Christ. Amen.